savez la longueur d'une piste, la largeur d'une piste, les apparences d'une piste. Mais ce n'était pas une piste. C'était une illusion. C'était une image synthétique. Et souvent, la nuit, depuis qu'il s'obstinait à comprendre la substance de cette image de synthèse, ce rêve hantait le pilote. Fréquemment, il reprenait les textes, revenait aux définitions. La synthèse d'images tridimensionnelles consiste à créer, à l'aide de moyens informatiques, des vues en perspective d'objets décrits uniquement par un ensemble de nombres. L'ordinateur devient une caméra braquée sur un monde sans réalité physique qui n'existe que comme image de données mathématiques. Dans la simulation de vol, l'image de l'environnement, évoluant en fonction du déplacement théorique de l'avion, répond en fait, en temps réel, à l'action du pilote sur les commandes d'une cabine de simulateur. Longueur de la piste, 2200 mètres. Largeur de la piste, 68 mètres. Altitude, 0, niveau de la mer. Dimension des marques de piste, 6 mètres sur 15 mètres. Hangar numéro 1, hauteur 10 mètres, soit un volume accessible sous tous les angles de vision perspective, comme par exemple, ou encore, opération suivante, mise en couleur des surfaces. Soit en conclusion, une piste dont l'ensemble est envisageable sous tous les points de vue, comme par exemple, ou encore, il faut maintenant offrir au pilote un territoire plus vaste, soit à s'inspirer de cartes pour en simplifier un paysage imaginaire, lignes essentielles du relief, constituant des polygones simples, chiffres qui affectent leur sommet, désignant leur position dans un espace à trois dimensions, mise en mémoire mathématique de cette armature de base, véritable charpente de polygones dont les surfaces sont affectées de la distribution de leur rôle, falaises, lacs, forêts, rivières, nomination en attente maintenant de l'application des couleurs correspondantes. D'autres équations
D'autres opérations auront déjà poli les contours de l'ensemble. Monsieur est servi.
Thank you.